Yo. Et toi, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Ouais, t'as effaré, man. Allez. Allez, go. Ça parlait vraiment pas mal. Il y a une pote houlong d'1m50 de nos. Du coup, ben, on s'est dit qu'on va aujourd'hui, on va farer côté Papeno. Et là, on est parti à Rufara. Le spot est vraiment saturé malgré les bonnes vagues. Et là, à la source, ils sont que deux au fond. Je pense qu'il y a moyen de scorer quelque chose. Et de se régaler un petit peu. Allez, carrément, carrément. Allez, allez, c'est parti, go. Allez, parti. Depuis plus de 12 ans, il est à l'eau. Après avoir essayé le paddle, le longboard et le surf, c'est le bodyboard et plus particulièrement le drop knee qu'il affectionne le plus. Eto, 26 ans, est plus connu sur le Fénois en tant qu'artiste que champion de boogie. Pourtant cette année, dans sa discipline, c'est bien lui qui termine vice-champion de Tahiti. J'avoue que j'ai mal commencé. Bon, j'ai été au début 4e du classement et ensuite petit à petit j'ai remonté le classement. Et là, à la dernière compétition, j'ai terminé 2e. Ce qui fait que normalement je suis vice-champion là. Pour la deuxième fois. Du coup, bon, j'espère que l'année prochaine ça sera mieux. Cet amoureux des vagues et plus généralement de la nature en a même profité pour la mettre à l'honneur dans l'un de ses derniers titres. Il y a une composition qui passe à la radio qui s'appelle Natura, où là je fais vraiment un gros clin d'œil à tout ce à la nature, mais aussi plus particulièrement aux vagues. Je remercie vraiment tout ce qu'elle nous donne, soit au niveau des vagues, mais aussi au niveau de tout, quand on est vraiment bien à Tahiti. Et vraiment les vagues, c'est vraiment le paradis, regardez. C'est que du bonheur. Oui, franchement, je m'inspire beaucoup dans mes musiques de la nature. Je trouve qu'elle résume bien la vie. On a la chance d'avoir le spot juste à côté. Quand tu as fini ta session, tu viens au bord, tu joues de la guitare, tu te reposes. Un petit feu, ça aurait été l'idéal. Et ensuite, bah, tu retournes. C'est clair, c'est le bon spot. Ce prof d'économie, pas comme les autres, est l'une des étoiles montantes de la musique en Polynésie. Dans quelques semaines, il sortira son premier album. Oui, ouais, j'ai eu la chance d'avoir, par le bouche à oreille et par ma page Facebook, j'ai eu la chance d'avoir quelques lives. Ou sinon, la priorité, c'est donc l'EP, c'est-à-dire le mini-album de quelques compos, est maintenant fini. Et pour marquer le coup, on termine un des clips d'une de mes compositions, Natura. Artiste complet, cet auteur, compositeur et guitariste n'a pas fini de nous étonner. J'écris mes chansons et ensuite je mets la mélodie qu'il faut avec. Et principalement en tahitien, et d'ailleurs je ne suis pas tout seul, hein, donc heureusement que j'ai un traducteur au top du top, Stelio, mon percussionniste. C'est lui qui traduit mes chansons en tahitien avec des mots simples et en général ça parle aux gens. Eto David Moni Tessier, de son vrai nom, attend donc la suite de l'aventure avec impatience. Avec son talent, on ne doute pas de l'avenir de ce jeune homme aux doigts d'or. Dans les médias, du moment que ça me fait plaisir, que les gens sentent bien quand ils écoutent ma musique, l'objectif est déjà atteint. Donc déjà là, je suis au top, je suis content. On peut dire qu'il y a un bel avenir donc pour ton groupe et pour toi dans la musique. Ouais, j'espère bien, au moins au niveau local. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, déjà commencer à bouger dans le Pacifique, commencer par les cousins de Hawaï, de Nouvelle-Zélande, de Rapa Nui. Ça pourrait être vraiment déjà un sacré challenge. Inspiré par Ben Harper, on souhaite donc à Eto une aussi longue carrière que son idole, mais surtout qu'il continue à prendre du plaisir dans le boogie, la musique et plus généralement dans la vie comme il le fait actuellement.